Maintenant, je vous présente l'espace de nos jeunes lecteurs. Ils peuvent accrocher leur manteau sur ces patères. Ils ont ici des albums pour les plus de 4 ans, classés par ordre alphabétique, toujours avec la lettre qui se trouve sur la couverture. N'hésitez pas à tirer les bacs qui se trouvent dessous les rayonnages pour les petits formats. Ils trouveront les comptes ici sur les 4 dernières cases. Des magazines dans cette caisse que l'on offre aux lecteurs. Ce sont des anciens numéros. Le coin des tout-petits avec des albums plutôt cartonnés, avec des histoires très courtes. Qui sont classés aussi par ordre alphabétique du nom de l'auteur. Le petit coin où ils peuvent lire confortablement la banquette. Ici, des cases au mur avec les abonnements pour les plus jeunes. Donc, nous avons Pomme d'Api, Poppy, Image Doc, Astrapi, Wapiti, Les Belles Histoires et les anciens numéros de Julie. Dans les rayonnages, on trouve sur la première tablette les Tom Tom et Nana, Max et Lily et J'aime lire. Les livres avec un support CD, des histoires, des comptines. Et puis les romans pour les moins de 10 ans. Avec dans ce dernier bac, les romans première lecture. Ce sont les romans pour les jeunes lecteurs qui débutent dans la lecture. Et pour terminer, une valise avec des albums qui ont été sélectionnés lors du voyage lecture qu'on a fait avec les scolaires les années précédentes. Sur plusieurs thématiques, il y avait la coopération, l'entraide, les voyages, les animaux, les monstres. Plein de livres très chouettes à lire. Voilà pour l'espace jeunesse de la médiathèque.